Nous étions donc dans une maison où la vie se trouvait à l'étage. Moi, il n'était plus possible de continuer, c'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher. Donc, je descendais les marches sur mes fesses, et à l'approche des 80 ans, c'est pas tout à fait super. Et lui, étant malade, ne pouvait plus non plus continuer. Eh bien, donc la décision a été prise très rapidement, il fallait partir. Comme l'on cherchait depuis longtemps à partir de chez nous, eh bien donc, c'est une affiche qu'on a vue un jour que l'on revenait de Lorient. J'ai dit donc à ma mari d'arrêter, j'ai relevé le numéro de téléphone et j'ai téléphoné dans la soirée aussitôt au foyer d'Armor. Et puis donc, ils nous ont rappelé et que c'était bon. Toutes les fois qu'on allait là-bas, ça a été super, toujours bien accueilli. Oui, et puis de toute façon, nous donnant les renseignements qu'on voulait, que l'on téléphone pour une chose ou l'autre. L'accueil était formidable. Ils nous ont proposé les maisons et ici. Alors le choix, on nous a dit lequel vous voulez. Et bien là, je dis l'appartement. On voulait cet appartement-là, oui, parce qu'il était de plein pied. La première fois qu'on a été, ils nous l'ont dit, de toute façon, c'était location à cession. Mais ça ne nous gênait pas plus que ça, pour la bonne raison qu'on voulait de toute façon acheter, pour, puisqu'on avait vendu notre bien. Donc on voulait l'acheter, mais que ce soit un an tout de suite, ou un an après, ou deux ans, ça n'avait aucune importance. Financièrement, c'est une bonne chose. Et quand je vois tous ces petits jeunes que l'on a dans notre cage d'escalier qui ont acheté, je trouve que c'est une très bonne chose pour la bonne raison que plutôt que d'aller payer un loyer ailleurs, eh bien que là maintenant, ils vont avoir quelque chose à eux, c'est quand même bien mieux. Et puis pour des petits vieux comme nous, c'est impeccable aussi.